Bonjour les enfants. Alors ce matin, une petite vidéo pour travailler un petit peu les couleurs pour les enfants qui en ont besoin. Les autres peuvent le faire également puisque de toute façon c'est toujours très utile. Alors je vous montre. Moi j'ai une petite planche avec des gouttes de couleurs, mais vous pouvez très bien le faire sur une feuille de papier. En stabilotant les couleurs qu'il faut. On peut complexifier, là je suis restée vraiment aux couleurs de base. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, vous pouvez y aller avec du violet, du rose, du marron, du orange, du noir, du blanc. Enfin voilà, pensez juste si toutefois vous mettez du blanc, à prendre dans ce cas un support plutôt grisâtre. Pour que les enfants puissent voir le blanc ressortir, puisque blanc sur blanc, ça ne se verra pas. Voilà, et pour ce faire, j'ai également du coup pris des jetons, moi, colorés, mais vous pouvez le faire avec les objets que vous avez à la maison, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, des Lego, des poupées, des cubes, enfin voilà, ce que vous possédez à la maison. Voilà, le but étant de bien sélectionner les jetons, les pièces de jeu que vous allez utiliser pour passer au tri. Voilà, alors je vais vous expliquer. Voilà, donc pour ce faire, on place, on demande à papa ou à maman un petit peu d'aide si on ne sait pas le faire seul. Moi, je place face à vous pour que vous voyez bien. Ce n'est pas évident parce que j'ai personne pour me filmer aujourd'hui. Donc j'espère que vous verrez quand même les couleurs. Je vais l'incliner peut-être un peu. Voilà, et donc on prend un des jetons ou quelque chose que l'on avait et on vient le placer dans la bonne couleur en respectant la couleur. Si on a un adulte à côté de soi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir nommer la couleur. Donc par exemple ici, je prends un jeton jaune et je le mets bien évidemment dans la colonne jaune. Ensuite, je prends un jeton bleu, je le mets dans la colonne bleue. Je prends un jeton vert, je le mets dans la colonne verte. Je prends un jeton rouge et je viens le placer dans la colonne rouge. Alors, pour aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est relativement simple, vous pouvez, même pour ceux qui vont aller sur du violet ou des choses comme ça, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec, normalement, une série de jetons qui vont être placés. Donc, il suffit de faire compter les enfants, de leur demander combien il y en a. Donc, pour ce faire, il faut déjà connaître et répéter la suite numérique. Donc on fait répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on s'arrête à 10. On le fait sans gestuelle. Ensuite on le fait avec les doigts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, plusieurs possibilités. Ou bien on a affaire à un enfant qui, visuellement, est déjà dans le schéma de pouvoir repérer et de dire juste par le regard, visuellement, « Oh, il y en a trois !» S'il n'en est pas encore à ce stade-là, on l'aide, on l'accompagne et on compte 1, 2, 3. S'il peut le faire seul, c'est mieux. S'il fait des erreurs et qu'il dit 1, 3, vous reprenez. À chaque fois, il faut reformuler avec lui. Voilà. Et le, évidemment, si ça déborde et que ça s'étale sur la table, c'est pas un souci, puisque le but, c'est vraiment de compter les quantités. On peut aussi également envisager de demander à l'enfant, voilà, y a-t-il plus, j'espère que vous voyez bien, de jetons bleus ou bien de jetons rouges. Et de ce fait-là, ils doivent comparer. On peut également, si on met vraiment beaucoup de jetons, admettons que je déborde ici, et que là, j'enlève ceci, demander à l'enfant, y a-t-il autant de jetons verts que de jetons jaunes? Alors, il va vous dire oui ou non, en fonction de la réponse qu'il va donner et du stade des compétences auxquelles il est arrivé. Si oui dit non, vous lui demandez d'argumenter. Et alors peut-être il va dire parce que là il n'y en a qu'un. Ça c'est relativement facile parce que c'est juste la quantité une. Maintenant, si il ne sait pas, il faudra lui démontrer et compter avec lui. C'est le travail répétitif qui permet aux enfants d'ancrer les apprentissages. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi sur Éducartable.
Voilà, j'essaierai d'en faire de temps en temps pour vous occuper un petit peu ces jours-ci.